Elle va me baiser, un bâtard. Nadine! Moi je l'avais mis où en plus, bâtard. Toujours je l'ai eu. Donc, alors t'as qui les jeux vidéo, c'est toute votre vie? Bah écoutez, oui, c'est toute ma vie, bah je joue tous les jours, midi, matin, soir. Midi, matin. Pratiquement tous les jours, oui. Et du coup, pour vous, c'est plus un sport ou une passion ou c'est un... Pour vous, c'est quoi plutôt aussi? Ça passe en secondaire ou en prioritaire? Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, en 2019, si vous connaissez l'e-sport, vous avez déjà entendu? Oui, je crois que j'ai déjà entendu. L'e-sport, l'électronique sport. Du coup, pour moi, c'est un peu, on va dire, passion et sport. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les deux, du coup, si on combine les deux, bah voilà, moi je joue que... On va dire, c'est une passion et... Un sport, on attend. Ok. Et au niveau des études, vous préférez jouer ou vous préférez... C'est quoi qui passe en premier pour vous? C'est vos études ou Fortnite? Bah écoutez, je vais pas vous le cacher, Fortnite ça passe en premier. Parce que là je suis en échec scolaire, on va dire. Mais bon. Bah d'ailleurs, notamment à votre dernière note que vous nous avez dit, à votre bac blanc de français, la note était de 7, mais si je me trompe. Oui bah écoutez, bah moi j'essaie entre guillemets là de comment dire, de trouver une place dans l'IA Sport. Et bon voilà en fait. Et du coup, monsieur, monsieur Taki a décrit, ce sport vous le pratiquez depuis combien de temps? Depuis environ 8 ans. Ouais. Depuis l'âge environ de... Taki, je de pense que je crois avoir entendu votre mère en train de vous appeler pour aller manger. Ouais, de toute façon, elle est toujours chiante, toujours elle ne sait rien faire, de toute façon. Donc... C'est pas grave, allez-y, écoutez votre interview, pas grave. Mais elle vient de crier votre prénom pour que vous alliez manger. Oh là là là, regardez, je suis mort à cause d'elle. De toute façon, regardez, toujours, elle est là, elle m'appelle, je comprends pas en fait. Regardez, à cause d'elle, je suis mort, j'avais 25 kills, putain. Mais il... 25 kills, alors là, mais vous imaginez. Midi, il est l'heure d'aller manger, elle vous appelle pour 10 minutes. Il y a pas de problème, c'est pas son problème, c'est... Je veux avoir une carrière de e-sport, d'un vrai gamer. Faut pas m'interrompre, vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est comme ça tous les jours, vous préférez... Oui, c'est comme tous les jours. Vous jouez sans vous arrêter. Oui, oui, tous les jours. Et vous n'allez même pas manger, vous écoutez jamais votre mère? Non, quand je mange, je fais des petites pauses de 5 minutes, mais bon, à un moment donné, faut pas m'imposer des choses que je veux pas. Ah. Attendez, putain, qu'est-ce qu'il y a un message de ma femme là, attendez. Putain, vraiment là, attendez. Il faut que vous lisez le message de votre femme. Je vais après, juste j'ai une petite game, je termine, attendez deux secondes. Elle vous a quand même déjà appelé 4 fois et elle vous a un message. Bah écoutez, c'est pas mon problème. Les jeux vidéo c'est plus important. Attendez deux secondes d'abord, je termine, tu sais. Quand même, il faudrait essayer de lire. Attendez. J'ai lu un petit peu, je vois. Je sais pas, il y a marqué quoi, mais bon, je sais pas, j'ai une petite idée. Bah, il faut quand même. Attendez, là, je suis en train. Oh là là. Non, j'ai tué. Putain, attends, là, tu crois. Tu sais quoi, t'as qui? Tu passes ta vie, j'ai jamais le temps pour moi. Mais tu sais quoi, finalement, entre nous. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu veux quitter ta baquille? Franchement, on me dit, tu choisis entre. Entre la plaie et ta femme, bien sûr, choisir la plaie. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle. Finis entre nous parce que je joue? Parce que c'est un truc de ma passion? Bah après. Parce que si moi j'ai privé de maquillage, si elle met du maquillage, je dis c'est fini entre nous. Bah, c'est pas logique. Vous avez quand même. Bah c'est veut quitter, bah qu'elle quitte. Donc là, c'est un grand 1v1 qui va vous permettre peut-être de gagner le million. Effectivement, ça c'est le. Ah bien contre Loïc, qui est un grand joueur. Loïc 997, qui justement est recruté comme vous. Qui est un grand joueur de la team Solari, si vous connaissez. Ah oui, avec Solari Kingstar, n'est-ce pas? Oui, voilà, exactement. Bah d'ailleurs, Solari Kingstar, vous l'avez battu en AV1 et... Effectivement, à l'E3, si vous connaissez le 3. À l'E3, exactement. À la Paris Games Week aussi, je l'ai battu. Vous étiez là donc en situation de fight? Oui, effectivement. Attendez, faut que je tue, faut vraiment que je tue là. Quoi, mais putain, c'est quoi cette bière ce qu'il a, mais je suis sûr. Mais putain, mais je vais la tuer, je vais l'enculer.